Et bonjour à tous, je suis Siramor, et qu'est-ce que c'est que ça? Encore un display star étincelante, c'est le quatrième en peu de temps, c'est le dernier que j'ai en stock. Mais j'adore cette série star étincelante, je pense que maintenant vous l'avez compris. Et on n'est pas à l'abri d'un nouveau craquage financier, on va craquer le PEL et on va peut-être en racheter une ou deux. Elles me plaisent beaucoup, beaucoup, beaucoup ces displays, même si on a eu des displays plus ou moins généreux depuis le début de ces ouvertures. On est là sur un nouveau display de 36 boosters, on espère être aussi chanceux que celui qu'on a ouvert il y a quelques jours. C'était monstrueux ce qu'on a sorti de ce display. Et qui sait, peut-être à nouveau un display extrêmement chanceux, avec de l'alternative, avec du Dracaufeu. On espère compléter un petit peu quelques cartes encore. Parce que là, on a déjà eu beaucoup de choses. Il nous manque encore des cartes, évidemment. Surtout parmi les secrètes, les foulards Pokémon, on n'a pas grand-chose. Mais là, ça va devenir compliqué de continuer à avoir des choses que nous n'avions pas. On démarre avec une petite holo. Mais on va voir ce que ce display de 36 boosters va nous réserver comme surprise. On se rend compte sur les ouvertures de ces displays que d'un display à l'autre, on n'a pas du tout le même ratio d'ultra rare et pas du tout la même qualité de carte à l'intérieur. Tortipousse, une petite V violette, Grand Bulle, le fameux, on l'a des tonnes de fois celui-là. Le petit token V-Star, on met de côté. Notre premier hit sera un Grand Bulle V, rien de fameux ici. Mais en V, il nous manque plus grand chose, il nous manque Arceus et il nous manque Shine. Pour compléter les V de ce set, il faut que je fasse attention en ouvrant les boosters, à chaque fois j'ai l'impression de vous spoiler le code. Moi je ne le vois pas, je ne me spoile pas, mais si vous êtes spoilé, vous profitez moins de cette ouverture. River Standard, Craquenoix, et derrière un petit Papylord en rare. Alors oui, hein, on ouvre ça assez rapidement, c'est un peu bourrin comme ouverture, mais on fait ça dans le but de ne pas perdre trop de temps. Et pour ne pas se spoiler le code, je ne fais pas le trick à mettre les cartes de l'arrière vers l'avant. Tadmorv, un Riolu en reverse, et un petit Charmy en rare. On a un début de display un peu timide, mais le dernier display qu'on a ouvert était timide également sur le début, et c'est nettement amélioré sur la fin, nettement. Neuneuf, Tadmorv, Mélofée, Queudotor, Electek, Pachirisu en reverse, un petit Léopardus en rare. On est vraiment sur un début de display assez timide, on s'attend sur ces displays à avoir, si on est sur les mêmes ratios que les derniers displays, entre 12 et 15 hits, tout confondu, Trainer Gallery, Full Art, V Standard, ce qui serait tout à fait acceptable. River Standard, Chenizel, et un Mewtwo en rare. Là, on est vraiment sur un début de display assez timide. Une seule ultra rare, on pousse un Grand Bulle V qui présente assez peu d'intérêt par rapport à ce qu'on peut avoir dans cette série. Ce qui nous manque beaucoup sur nos ouvertures, ce sont les foulards Pokémon. En 3 displays, nous n'en avons eu qu'un seul. Bon, certes, c'était pas n'importe lequel. Ah, Démolos en Trainer Gallery, ça c'est cool, je ne l'avais pas. Ça complète les Trainer Gallery et un Simia Brazolo que je mets de côté. On ne l'avait pas eu encore ce Démolos, il nous manque encore quelques cartes. Appelons ça des communes de la Trainer Gallery, c'est la bord jaune qui ne sont pas des foulards, des V ou des V-Max. Mais on a déjà beaucoup de doubles sur la Trainer Gallery et celles qui nous manquent vont être difficiles à obtenir. Il me manque également une des évolutions, je crois que c'est Pyroli. Je suis plus sûr d'avoir eu Voltali non plus. On devrait compléter encore quelques cartes sur la Trainer Gallery assez facilement. Luxray en reverse et Grotanmorph en rare, mais en dehors de ces Trainer Gallery, si on tombe sur des V, V-Max, V-Star, il nous manque de moins en moins de choses. J'aimerais ouvrir encore quelques displays parce que j'aime vraiment beaucoup ouvrir cette série, bien que ça devienne compliqué de sortir ce qu'il nous manque. Balbuto, Chinchidou, Stalgamin, en reverse, Dracarmine et une V Galeking que nous avions déjà.
J'ai vu du blanc, j'ai cru pouvoir avoir Arceus en V. On l'a eu 4 fois en V-Star, mais on l'a pas eu en V-Standard. Nous sommes à 3 hits. 3 hits assez peu intéressants, on va dire, pour l'instant. Mais on n'est pas à l'abri de sortir des choses complètement folles sur ces displays EB9. Ai-je vu? Non. J'ai cru voir une carte crimped. Ce n'était pas le cas. En reverse, que notor. Oh, ça c'est bien, c'est très bien ça. Full art Pokémon. À la couleur. Oh, ça pourrait être Pikachu. Ah, ça pourrait aussi être Libégon. Une chance sur deux. Libégon, c'est pas la bonne, mais c'est pas grave, on l'avait pas cette carte, je suis content de pouvoir l'ajouter à la collection. Et c'est un full art, une full art Pokémon. On a eu tellement de mal à en sortir de celle-là que même un petit Libégon me fait bien bien plaisir. Alors ce que j'espère aussi avoir sur ce display, c'est une secrète. Parce qu'on a réussi à ouvrir un display qui n'en contenait pas. Quelle arnaque! Zéro secrète sur un display, c'était abominable. Donc j'espère avoir au moins une secrète sur ce display. Un petit Mélodelf en rare, c'est très standard. On met ça de côté. On n'est pas encore à la moitié du display. Il doit rester plein de choses encore là-dedans parce que pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup, beaucoup de hits. Mais une petite foulard Pokémon, on la prend, même si elle est basique. Ça me va. Chenizel en reverse, Lucario holographique. Il nous reste 6 boosters avant d'être à la moitié du display. On a ouvert un tiers du display, on a 4 cartes ultra rares, soit à peu près un tiers des ultras qu'on peut attendre. On est tout à fait dans ce qu'on peut attendre sur une display EB9 pour le moment. En reverse, Magmar et en rare, Dracarmine. Qu'on a... Ah, petit token V-Star derrière que je n'avais pas vu. Alors, évidemment, si en secrète, on pouvait sortir le Dracaufeu Rainbow là-dedans, on serait très très bien. C'est la deuxième carte la plus chère du set, et c'est celle qu'il nous manque pour pouvoir commencer à rechercher des cartes à l'achat ou à l'échange, un 6H et Chenizel. Parce que les cartes qui sont vraiment chères, j'ai pas envie de les acheter. Ça m'embête énormément de dépenser plus de 150€ pour une carte récente. Autant sur de l'ancien, j'ai pas trop d'état d'âme à dépenser beaucoup d'argent pour une carte quand je peux le faire. Mais sur du récent, ça m'embête un peu. Oh là là là, ça brille dans tous les sens. La carte à code est trop grande derrière. Ça me gêne sur les côtés, je sens qu'elle dépasse. Elle doit être mal coupée, on regardera ça après. Starry, Carabing, Mélofée. Une full art de la Trainer Gallery, Prémonition de Margie. Ça, c'est très bien, on ne l'avait pas. On complète un petit peu la Trainer Gallery. Et quel est le problème de cette carte? Elle est effectivement un poil plus grande que les autres, c'est bizarre. Bon, c'était une carte blanche standard, hein, c'est normal. Prémonition de Margie va aller dans une petite sleeve. Et nous sommes à 2 Trainer Gallery, 5 hits. Il nous reste 3 boosters avant d'être à la moitié de ce display. Et pour l'instant, je m'en plains pas de ce display, il est pas mal. Mustéboué, Gricknot, Cracnoir, Morpheo, ouais, j'ai pris 2 cartes d'un coup, Chartor en reverse et Becca Glaçon en rare. Nous sommes presque à la moitié du display, pas de trace d'une secrète pour le moment. Il serait également intéressant de tomber sur une petite gold à un moment. On n'en a pas eu sur nos displays des golds, on en a eu une en dehors des displays. Nous avons Hydragon V qu'on n'avait pas eu non plus, ça complète le set, c'est très bien. Elle n'est pas très jolie cette carte, l'illustration ne me plaît pas des masses, mais on en a besoin pour compléter le set, donc c'est très très bien de pouvoir... Ajouter une carte au classeur. On a déjà 3-4 nouvelles cartes sur ce display, c'est beaucoup. Hein. Quand on commence à être assez avancé sur les 7, on a du mal à compléter et je trouve qu'on a de la chance sur le peu de doubles qu'on a. Electek, Kenotor, Aqualie. Alors là, en parlant de double, celui-là, on l'a presque à chaque fois. Un Sulfura derrière.
ça doit être le quatrième Aquali. Par contre, Pyroli et Voltali, on ne les voit pas. On est à la moitié du display. On a 6 hits, donc la moitié de ce qu'on peut attendre sur un display standard. 3 trainer galerie, c'est plutôt beaucoup. Il va nous rester, à mon avis, pas mal d'ultra rares standards sur ce reste de display. Morpheo, Judocrac, Balignon, Tiplouf, Tortipousse, Noix de coco en reverse et Atran en rare. On enchaîne. Il nous manque un petit peu de folie là sur ce display, quelque chose d'un peu barbare à sortir. On a beaucoup de choses standards, mais il n'y a pas la petite adrénaline qu'on cherche sur ce display. Grignot en reverse, Chenizelle en rare, à nouveau rien de fou. Mais tant mieux! Ça veut dire qu'il nous reste de la chance à obtenir sur le reste du display. Tant qu'il y a de l'espoir, je suis ravi. Quand la secrète tombe dès les premiers boosters, c'est assez frustrant parce qu'on a peu de chance d'avoir autre chose derrière. Tick en reverse. Boréas en rare. Et on a besoin d'un peu d'espoir en ouvrant ces displays. Et là, vu ce qu'on a pour l'instant, je suis pas spécialement inquiet. Il doit rester des choses là-dedans. Chinchidou, Balbuto, Stalgamin, Tarinor, une river standard en Goliath et une full art dresseur. Oh oui, 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 la fierté de Rosemary, c'est une carte extrêmement onéreuse en japonais, beaucoup moins en français et en anglais elle est chère, mais en français elle ne l'est pas. Mais je suis très content de l'avoir, c'est pour moi la plus jolie des full art dresseurs qu'on peut avoir dans ce set, elle est magnifique. Je suis très très content de pouvoir l'ajouter à la collection celle-ci. Autant les saltimbanques et compagnie, ils font pas plaisir quand on tombe dessus. Deuxième full art sur ce display, bien meilleur que le Libégon. Et c'est très bien d'avoir fierté de Rosemary. Par contre, maintenant, ce qui nous manque dans ce display, principalement, c'est une secrète. Mais pour le reste, à part quelques V ou VMAX, V-Star, on ne peut plus espérer grand-chose, à mon avis. Étant donné qu'on a déjà deux full art, Cryptero et Locklass en rare. Mais cette carte-là est bien plaisante à obtenir. Caraclé. Écrapince, Gringolem, Eoko, Mélophée en reverse et un Torterra holo derrière. On a beaucoup de cartes holographiques, on en a déjà 5. C'est ce qu'on avait eu sur le dernier display. On avait eu 5 holographiques sur la totalité du display et ici on les a déjà. Tarinor, Deden, Polarum, Lixie. Une River standard, Chapignon, une V standard, Shaymin V, et bah très bien, on l'avait pas. À nouveau, c'est pas un super hit ce Shaymin V, mais tant que ça permet de compléter le set, moi, ça me va bien. Tout ce que j'arrive à choper dans les displays, c'est ce que je n'aurais pas besoin d'acheter ou d'échanger après. Donc même la moindre petite V que je n'ai pas, je suis content de la compléter. Il doit nous rester un peu de trainer galerie encore. On en a eu 3, ça paraît light, hein. Le display le moins généreux nous en a donné 4, et le plus généreux nous en a donné 5. Donc on peut espérer encore de la Trainer Gallery, on peut espérer encore de la V ou de la V-Star. J'aimerais qu'on ait une secrète, parce que pour l'instant nous n'en avons pas. Grimalin Reverse et Touraptor en rare, pas de token V-Star derrière. Il nous reste, je pense, une dizaine de boosters. On est sur un display convenable, mais pas fou, pour l'instant. Comme d'habitude, un booster peut tout changer. Un oiseau gold qui pointe le bout de son nez et tout est à refaire. Une reverse, un petit élécable en rare, rien de transcendant. Quand est-ce que ça va briller? En Rainbow, par exemple. Je commence à avoir peur d'avoir un deuxième display sans secrète avec ces bêtises-là. Il nous reste combien? Il nous reste 8 boosters. 9.
9 boosters. La secrète ne s'est pas montrée. Aïe, aïe, aïe. Le display où on n'avait pas eu de secrète ressemblait beaucoup à celui-là. Dans le sens où nous avons eu 2 full art. Et pas de secrète. J'ai pris 2 cartes. Un petit clitty-click en reverse. Et Noctunoir holographique. Ok. On met ça de côté. Si on n'a pas de secrète dans ce display, il va pas être bon. Si on a une secrète qui vient se rajouter maintenant, on sera pas mal, on sera sur un display tout à fait convenable. Ce sera pas quelque chose de fou comme certains displays buggés qu'on peut voir, ou comme le dernier qu'on a ouvert qui était complètement fou. Une petite trainer galerie, ça c'est Gouroutan qu'on a déjà. Mais on s'en plaint pas, c'est bien. Gouroutan, Golemastock en rare. Les trainer galeries à bord jaune sont celles qui tombent le plus. Donc on a 4 cartes de la trainer galerie. On a potentiellement ce qu'on peut attendre sur un display. Il peut en rester une, mais rien ne le garantit. Par contre, on n'a toujours pas notre secrète et on approche très dangereusement de la fin du display. Je ne suis pas rassuré. Loclass en reverse, Luxray en rare. Il nous reste quoi là? 5 boosters. Pas de secrète. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout. Eoko. Tortipus. Crac noir. Balignon. River standard, nœud neuf. Une V standard, bleu. Krabos. Et un petit token V-Star. Oui, on le prend. Je commence à flipper un petit peu en termes de ratio. On a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 11 hits et pas de secrète. On est sur une display légère en termes de ratio et légère en termes de qualité de hits. Pour le moment, ça sent pas bon. Ça sent la display éclater au sol. Il faudrait un revirement de situation très rapidement. Lance-Argo en reverse. Chenizel en rare. Et là, c'est le bordel. Hein. Il reste 3 boosters. Il reste 3 boosters. On n'a pas de secrète. On a un Libégon full art Pokémon. Heureusement qu'on a eu Fierté de Rosemary. Là, je commence à pas être rassuré du tout sur la qualité de ce display. Mais alors, vraiment pas du tout. Kenotor, Electek, Gant Purifiant en reverse. Pingoléon holographique. Mm-hmm. On a beaucoup trop de cartes holographiques par rapport à nos derniers displays. Je pense qu'elles prennent la place d'ultra rares. Mais on n'a pas de secrète. Encore une fois. En 4 displays, 2 displays sans secrète. C'est un scandale. Skelenox, une reverse Talgamin et Etouraptor. Il nous reste un tout dernier booster pour espérer avoir une secrète. Et je vous avoue que je suis un petit peu en panique. Il n'y a rien dans ce booster. Il n'y a rien. Ce sera un deuxième display sans secrète. C'est d'une tristesse incroyable. Ah, elle est folle cette série, il y a de très jolies cartes, mais quand on tombe sur un display comme celui-ci, voilà ce qu'on a eu, hein. C'est pas foufou, on a eu seulement 11 hits, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hits, c'est très 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 léger. Une full art Pokémon quand même, mais c'est Libégon. Et Fierté de Rosemary qui vient un petit peu rattraper le machin là, mais c'est pas terrible. Hein. Le display là, on aurait préféré le laisser sceller plutôt que de l'ouvrir. Après c'est le jeu, c'est comme ça. Mais sachez-le, si vous ouvrez du Star Étincelante, il n'y a pas une secrète systématiquement. En 4 displays, ça m'est arrivé 2 fois de ne pas en avoir. Mais malgré tout, je complète quelques cartes, j'en suis content. Et je vais quand même essayer de retrouver des displays pour en rouvrir parce que cette série me plaît énormément malgré les difficultés qu'on peut avoir sur nos ouvertures. Heureusement qu'on a quelques displays vraiment généreuses comme la dernière ouverte. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.